Lancé à Marseille en juillet 2012, CVStreet est une démarche concrète pour lutter contre le chômage. Fondée sur le bon sens et la connaissance du monde du travail, nos expériences, nos expertises, elle nous a conduit à rechercher d'autres pistes que celles des pouvoirs publics. Ce mot chômage, il vient du latin populaire comare. Il signifiait à l'époque se reposer pendant les grandes chaleurs en s'appliquant tout aussi bien au bétail qu'aux personnes. Dans d'autres langues, le mot chômage n'existe pas. To be unemployed en anglais ou desempleo en espagnol souligne plus le fait d'être sans activité qu'au repos. Il est vrai que ce concept donne toujours lieu à controverses théoriques et statistiques. À l'exemple de l'économiste William Phillips qui écrit que lorsque l'emploi se fait rare, les salariés sont sous pression et modèrent de facto leur velléité, leur désir, leur avenir en somme. A contrario, le prix Nobel d'économie Milton Friedman affirme qu'un faible niveau de chômage serait nuisible à la lutte contre l'inflation. Un paradoxe? Non. Seulement une autre logique, frontale, libérale, déshumanisée, dont on connaît les ravages désormais. L'argent roi, l'homme comme facteur de production. Alors, dans une société où profit et consommation mettent l'ego et la réussite au premier plan, nous n'avons plus le choix. Il faut innover ensemble, car la solution réside dans l'entraide et la solidarité. Sinon, nous allons droit dans le mur. Ça fait 18 mois que je cherche du travail, mais je ne désespère pas. Je viens d'être licencié après avoir passé 15 ans dans la même entreprise. J'ai fini un contrat aidé dans une association d'insertion. Je voudrais bosser dans la com. J'ai fait une formation de secrétariat. J'ai deux enfants que j'élève seul. Je viens d'avoir mon diplôme de management culturel. Je suis webmaster et je veux monter mon entreprise. Bonjour, je suis formateur. Je ne vous cache pas que la situation actuelle est alarmante. Alors je me suis dit qu'au lieu d'aider les gens à garder leur emploi, il fallait surtout les aider à en trouver un. Et pour ça, j'ai monté un collectif citoyen. Bon, on doit faire quelque chose là. Fatih, tu disais tout à l'heure, les aider à faire leur CV. Oui, il faut commencer par le début. Avant tout, il faut avoir le bon positionnement. Ce que l'on veut faire, ce que l'on a envie et ce dont on est capable. Moi je pense qu'il faudrait qu'on voit leur CV partout. Excellente idée ça, très bien. Mais un truc simple et efficace. La photo, le nom, les compétences. C'est très important que tout le monde voit ce qu'il cherche, c'est-à-dire une approche directe. Je suis telle personne, je fais tel métier, contactez-moi. Simple, efficace. On va se donner les moyens pour que 6 personnes de plus trouvent du travail. Et ça, dans les plus brefs délais. Bonjour Gilbert, c'est Phil de CVStreet. CVStreet. Bonjour Jean. Bonjour Sophie. Tu vas bien? Bah, je t'en prie, rentre. En fait, on a retenu ta candidature. Super bruit. Si. C'est bien. Merci. Je suis désolée. Hein, Si c'est pour me dire que les locaux sont pas accessibles ou que vous savez pas quoi faire avec les personnes à mobilité réduite, c'était pas la peine de venir. Hein. Je vais te contredire, Eric, en te disant que les locaux de CVStreet sont parfaitement accessibles. D'ailleurs, nous avons pensé avec le collectif que la solution du télétravail serait la bonne solution pour toi. Télétravail? Et comment je vais trouver du télétravail? On oublie les problèmes techniques, d'accord? Ce qui compte avant tout, c'est que toi, tu puisses créer ta propre entreprise. Moi, j'ai été touchée par Eric. Il se bat tous les jours. Il n'est pas à la recherche d'un emploi, il veut carrément créer son propre emploi. Et créer une auto-entreprise, c'est difficile. Faut qu'on l'aide pour ça. Bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est ici,
à la Cité des Métiers, que nous allons tout mettre en œuvre pour vous aider. Vous savez, le chômage, c'est pas une maladie. Et je pense que grâce à vous, grâce à tout le collectif, en usant de force, d'une solidarité à toute épreuve, et surtout en utilisant toutes les forces du réseau et des médias, on pourra enfin constituer une véritable action citoyenne. Concrètement, c'est quoi le programme ? Ok, on va en faire une un peu plus souriante. Ah, c'est bien là, non ? We are stars. Là, c'est bon ? Track in the dark. We are stars. And never forget we are, wherever we are from, whatever we think we're done, we are stars. Make it day. Make it day. On voit tous les défauts en plus là. Ah. Je pensais pas que ce serait aussi grand quoi. Mais ils vont le coller où ? Tu veux dire où est-ce que vous allez les coller ? C'est à eux d'aller coller leurs affiches. Au moins, les gens verront qu'ils exposent leur talent, leur identité. Et puis surtout, ça va leur permettre d'être fiers de leur image, de recréer du dialogue. Je voulais vous remercier de nous soutenir dans ce projet collectif et citoyen. Donc, je suis venue avec mes deux collègues, on ne mettra pas longtemps, on va juste coller une affiche. Ouais, et voilà. De merci rien, pour toi. Au revoir, merci. Au revoir. Super bon boulot, donc maintenant ce qu'il faut faire c'est laisser le temps aux CVStreet de faire leur effet, c'est normal. Nous, évidemment, notre mission elle s'arrête pas là, on a encore énormément de choses à faire. Donc demain, on se retrouve tous ici, 9h tapante, on en remet une couche. C'est une idée qu'elle est bonne, l'idée des affiches dans les rues, ça va donner plus de chance aux jeunes. Faut juste que ce soit pas arraché ou recouverte le jour même ou le lendemain, parce que t'as pas secoué à toi chaussette. Hein. T'as fou, t'as jamais travaillé. Je me suis dit, bon, c'est pas mal. J'ai vu un numéro, j'ai vu une adresse email. Et puis, en fait, j'ai compris que c'était un CV. Un CV relié comme ça sur un mur. Et j'ai compris l'impact énorme que ça allait avoir pour la suite. J'aimerais que ça se fasse au niveau plus national ou voire au niveau européen. Parce que j'ai aimé les photos au niveau noir et blanc. Ça explique bien ce qui se passe dans cette société et dans le monde entier. Le but du jeu, c'est quand même de faire en sorte que ces gens qui sont sans emploi trouvent, grâce à cette initiative qui, sur le papier, est vachement intéressante, vachement drôle, mais la finalité, c'est du boulot. Donc, est-ce que ça marche ? À chaque allocation qu'ils recevaient, j'ai ponctué 10 centimes d'euros à chaque chômeur, d'abord dans un environnement d'amis à moi. Je leur ai fait croire en fait qu'on allait monter un projet pour les défendre. Et en fin de compte, moi j'ai amassé de l'argent pendant quand même une dizaine d'années, avec d'autres apports après de banques, parce que le projet d'arnaquer les gens leur a bien plu aux banques et tout. Donc du coup, ils ont injecté de l'argent et on a pu acheter ce bateau dont je suis propriétaire aujourd'hui. Je pense qu'à Marseille, ça peut arriver qu'on se fasse juger en fonction de notre apparence, de notre physique. Du coup, ce système de CVStreet, d'affiches dans la rue, permettrait de mettre toutes les personnes au même pied d'égalité, d'avoir la même chance de réussir. Le salarié docile aujourd'hui, ça vient de toute une situation donnée. Avant, en 1928 par exemple, l'ensemble du peuple de France était dans la rue, mais il n'y avait pas ce qui existait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a créé, depuis 1981, depuis la venue de la gauche au pouvoir et Mitterrand, un système, ce qui est bien, hein, et on a créé un système de gens qui pouvaient acheter un appartement ou une petite maison, mais le drame, c'est qu'ils faisaient 20 à 30 ans de crédit. Quand vous devez des traites de 500, 800 et 1000 euros par mois, ben pour aller manifester, vous réfléchissez à deux fois, il faut que vous travaillez, il faut rembourser. Regardez les gens qui arrivent à ça, c'est le malheur. Alors qu'il y a 20, 30 ans, ce n'était pas ça. La classe ouvrière était beaucoup plus forte. Qu'on apporte un volontariat, qu'on apporte une reconnaissance, qu'on leur apporte des emplois et que dans chaque rue, dans chaque maison ou dans chaque immeuble, type ils descendent avec la gaieté au cœur pour aller travailler. Je suis optimiste. Je pense qu'il arrivera un moment donné où le rapport des forces se fera et vous verrez, même Marseille et les quartiers nord ne profitent pas, profiteront, auront droit au travail, au bonheur et à la joie. Bonjour à tous. Je voulais vous remercier pour la session de collage d'hier. Oui, c'est vraiment génial ce que vous avez fait.
Mais bon, on va pas attendre gentiment qu'on nous rappelle, hein, on va passer directement à l'offensive. C'est pourquoi j'ai demandé à deux amis chefs d'entreprise, Jocelyne et Serge, qui nous ont rejoints sur le projet. Ils vont vous aider tous à travailler de manière individuelle. Donc n'oubliez pas, vous devez avoir confiance en vous. Vous verrez que ça s'entendra au téléphone. Alors, c'est pas du tout évident, un entretien téléphonique. Il faut qu'ils soient persuadés qu'ils n'ont rien à vendre. Il faut qu'ils mettent en avant le côté citoyen et social de CVStreet. Hein? Donc, dès le moment où ils ont un contact au téléphone, il faut qu'immédiatement ils prennent un rendez-vous pour favoriser un face-à-face. Donc, vous avez compris, l'objectif n'est pas de parler de vous-même, mais de parler de l'ensemble de l'équipe. Ce qui va vous permettre de vous dissocier et d'avoir plus confiance en vous. On est d'accord ? Oui, mais bon... Moi, je suis très bien dans cette équipe, mais je suis venu pour me faire engager, moi, pas le collectif. Justement, l'équipe te permettra de mieux parler de toi. Et c'est comme ça que tu vas avancer. OK ? Donc, si vous êtes d'accord, on applaudit. Vous êtes une équipe, allez-y, on y croit. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Webmaster, si vous êtes. Bonjour, je suis commerçant, donc je suis intéressé par un site web. Absolument. Vous voulez faire un site web. Je peux vous envoyer ce que j'ai déjà fait par email, si vous voulez. Oui, volontiers. Enfin, si vous avez une boîte email, quoi. Mais est-ce que vous pourriez passer au magasin, hein? Ça m'arrangerait. D'accord, écoutez, d'accord. Donc, est-ce que je peux vous envoyer ma collègue avec qui je travaille, hein? Oui, bien sûr, pas de problème. Bon, très bien. On dit quand? Dans l'après-midi, 14h, ça vous va, 14h? Je suis vraiment impressionnée par Eric. Depuis le début du phoning, on est voisins. J'ai envie de lui donner un coup de main, je pense que c'est normal. Voilà, ça c'est un truc que j'ai adoré, quand les participants ont compris qu'ils pouvaient s'entraider. C'est ça. L'esprit CVStreet. Bon, bah, au revoir, monsieur. Écoutez, je vous rappelle à la direction. Putain, chier, je me prends que des râteaux. Merci, au revoir. Putain, qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais que c'est des gens, ils sont comme toi et moi, ça. Y a aucun souci, ils ont leurs problèmes, ils ont leur vie. Faut pas mettre d'affectif dans le commercial, hein. Non, mais là, je te jure, ça se voit, ils en ont rien à foutre. Il y a une règle d'or dans le phoning, tu vois. C'est que si quelqu'un te dit non, bah, immédiatement, tu poses la question suivante, pourquoi? 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 Ben parce que tu verras que tu obtiendras toujours 4 objections, toujours les mêmes. 4? Ouais. J'ai pas le temps, j'ai pas besoin, j'ai déjà, j'ai pas les moyens. Tu vois, et à chaque objection, eh ben tu donnes une réponse, toujours la même. Par exemple, si le gars il te dit j'ai pas besoin, bah, tu lui dis à ce moment-là peut-être que je peux me proposer pour un remplacement. Si le gars il te dit j'ai pas le temps, qu'est-ce que tu fais? Bah, je raccroche. Non, tu raccroches pas. Tu lui dis, ben non, je vous comprends, monsieur, le temps, c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Moi, je vais vous en faire gagner du temps. Oui, parce que moi, mon métier, c'est le secrétariat. Vous êtes chef d'entreprise. Et la preuve que vous avez besoin de moi, c'est que vous êtes en train de me répondre au téléphone. Et moi, je peux tenir le standard. Bof, tu lui places une proposition de rendez-vous pour le standard. Franchement, t'es trop bon, Gilbert. Tiens, je te passe le téléphone, fais-le. Non, tu vas le faire toi-même. Moi, non, mais écoute, je suis là, je t'aide un petit peu. Ok, je t'écoute. Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le technico-commercial. Je suis de la vieille école. Le plus important pour moi, c'est l'écoute, s'intéresser aux gens. C'est comme en séduction. Avant de dire à une femme que tu la désires, il faut qu'elle comprenne pourquoi, non? Oui, oui, tout à fait. Je vous avais envoyé un mail, oui, effectivement. D'accord, ben merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Yes! Qu'est-ce qui se passe? C'est un rendez-vous. Super! Je suis trop contente. Ça ah ouais, ça c'est génial. Je voulais dire que je suis très, très heureuse pour Sophie. Et je suis sûre que son entretien de recrutement va bien se passer. En tout cas, nous, l'équipe de CVStreet, on va tout faire pour. Il y a beaucoup de monde qui est intéressé par ce poste, donc... Vous avez vu mon CV dans la rue, peut-être? Oui, bien sûr, je l'ai vu, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous, votre expérience? Vous avez fait un stage pendant vos études qui pourrait valoriser un petit peu? Parlez-moi un petit peu alors. Tout à fait. En fait, du coup, donc pendant mon diplôme de management, j'ai forcément eu à faire un stage en alternance.
C'est combien de temps le stage ? En trois mois. Trois mois. Et quelles sont vos prétentions ? Je ne pense pas être quelqu'un de prétentieux, mais après... Très bien. Bon, bah, écoutez, je vous rappelle. D'accord. Mais merci, écoutez. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Mais si je ne suis pas prise, forcément, je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait. Envoyer des CV, envoyer des mails, chercher des contacts à l'étranger. La concurrence est rude, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et puis bon, j'ai pas fait des études pour avoir un job de merde. Vous allez le couper, peut-être ça. Donc voilà. Et par contre, un truc que je voudrais vraiment dire, c'est quand on passe un entretien comme ça et qu'on a en face de nous une personne qui est dans une situation plutôt enviable, qui a son petit fauteuil en cuir, bien positionné, etc., et qu'elle te demande à toi de pas perdre ta motivation, ton ambition, c'est vrai que t'es pas dans une situation super confortable et t'as pas les arguments toujours pour répondre. Donc c'est juste ce bémol-là que je voulais souligner. C'est tout. Je crois que notre travail maintenant doit vraiment s'axer autour de ceux qui ont le plus de difficultés. Hein, si l'un d'entre eux est en échec, on sait que l'échec ça génère du doute et le doute bah, c'est contagieux. D'ailleurs, si t'es d'accord, Fatih, y a quelques personnes dont j'aimerais vraiment m'occuper. J'ai ma petite idée là-dessus. Monique, je voudrais te présenter Sylvain, un ami chef d'entreprise. Bonsoir Monique. Bonsoir. Je sais que vous êtes à la recherche d'un emploi. Je suis à la recherche d'une assistante. Je pense que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous embauche. Je m'y attendais vraiment pas. C'est peut-être ça la vie après tout. Comme quoi, faut jamais douter. Je sais pas quoi dire. Je voudrais remercier toute l'équipe. C'est vraiment incroyable ce que vous avez fait. Je vous garantis que je vais la réussir cette période d'essai. Je vous le promets, les enfants. Je vous embrasse. Maman a réussi. Pour moi, ça s'est pas très bien passé, en fait. Pourquoi, d'après toi, Gilbert ? Ben parce que je crois que l'expérience, l'âge, ça pourrait être une plus-value pour les entreprises. Mais bon, finalement, pour eux, ce qui les intéresse, c'est de payer le moins cher possible. Et donc, ils prennent des jeunes. Voilà. Donc je vais orienter mes recherches plutôt vers la formation. Je pense que je vais être à l'aise là-dedans et soyez rassurés, je lâche rien et je garde le moral. Voilà, merci à tous. Et toi, Jam, t'en es où ? Eh bien, en fait, pour moi, CVStreet m'a permis de comprendre que je devais me professionnaliser. Et en ce sens, j'ai fait une certification. En parallèle, je poursuis mes recherches de salarié, de poste salarié, en tant que psychologue du travail, parce que je crois vraiment que ce que j'ai semé, je vais récolter. Il n'y a pas 36 solutions. Pour convaincre, il faut avoir confiance en soi. Et si on rencontre un refus, c'est pas grave. On va de l'avant, on continue, on tire les leçons. De toute façon, il n'y a pas de différence entre le recruteur et vous. Le patron, c'est vous. C'est vous qui devez décider de ce que vous allez mettre en place dans votre vie. Personne, et je dis bien personne, ne doit décider à votre place. Si on vous dit non, c'était peut-être pas le bon moment, pas la bonne personne. C'est pas grave, on continue. Moi aussi, je voudrais remercier tous les membres du collectif et tous les CV Streeters, parce que c'est un petit peu grâce à vous que j'ai pris ma décision. Voilà, j'ai décidé de monter mon entreprise, quoi. Oh. Merci à tous, merci. Je sais que ça va pas être facile au début, mais j'espère vraiment que vous serez encore à mes côtés pour la suite. Sois rassuré, on fera tout pour. Je voudrais en profiter pour remercier aussi Katia, parce qu'elle m'a beaucoup aidé et bon, elle est en train de passer un entretien, là, et j'espère vraiment que ça va bien se passer pour elle aussi. Ouais, je l'ai eu au téléphone, elle nous rejoint dans une demi-heure, du coup tu pourras lui dire de vive voix. Putain, ils m'ont pas prise. Ouh. Eh, hey, faut garder le moral, là. Hein? Il y a toujours une solution. Bon, Phil, tu peux appeler Eric sur Skype, s'il te plaît? D'accord. Salut, Eric, ça va? Ça va, ouais. Et ouais. Toi? Bon, je te présente pas Cathy? Non, bonjour, Katia, ça va? Bon, ben justement, là, il y a un petit souci. Son entretien s'est pas très bien passé. Donc, j'avais une idée. Je me demandais si, finalement, vous pourriez pas travailler ensemble. Tu vois, elle pourrait faire la partie commerciale, aller voir les clients pour toi. Tout à fait volontiers. En plus, là, j'ai des photos à faire chez une autre commerçante qui veut elle aussi un site. Donc, tu tombes à point nommé. Et franchement, je te remercie. Hein. On pensait vraiment pas atteindre nos objectifs et puis... Le miracle s'est produit. La réussite a appelé la réussite. Jamais j'aurais cru ça pensable il y a un mois. Bah, ça prouve que j'ai fait les bons choix. Attends, excuse-moi. Que nous avons fait les bons choix.
Et ce qu'on a réussi, là, eh bien, on peut le faire tous ensemble le mois prochain pour 6 autres personnes. Et dis donc, t'essaierais pas de me piquer mon job, toi? Et toi, pourquoi pas, hein? Non, excuse-moi, allez, je déconne. Continue, continue. Merci, Gilbert. Bon. Alors, je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à CVStreet TV. On ne doit rien lâcher, on doit continuer à poursuivre nos efforts. Le chômage, c'est pas une maladie, on ne doit pas en avoir honte. N'hésitez pas à nous contacter. Et n'oubliez pas, nous exposons vos talents. À très bientôt, j'espère. Allez, maintenant on enchaîne. On a encore une émission à tourner. Je viens de l'avoir au téléphone. Il s'engagera si on lui prépare 3 émissions pilotes. C'est une bonne nouvelle, ça. Eh oui, c'est une bonne nouvelle. Bon, les filles, on perd pas de temps. Faudrait m'organiser un casting, là. Je sais pas, vous trouvez 12 demandeurs d'emploi, passer une annonce sur Facebook, enfin, faites ce que vous voulez, mais il faut trouver des candidats. Écoutez, moi, je vais être sincère avec vous, je vous suis pas du tout, parce que je pense qu'il faut faire attention à la pertinence du choix des candidats. On n'est pas là pour faire du social, on est là pour faire de la télé. Ah bon? Hein? C'est tout de même pas compliqué. Il suffit de trouver des offres d'emploi en amont et de caster en fonction. Ouais, ben moi, je veux bien faire la première, voilà. On choisit un thème, style relation clientèle, tu vois, et on axe tout sur le phoning. Ça, c'est bon, le phoning. Hein. Le phoning, ça a jamais été un métier, quoi, tu vois. Ouais, écoute. Mais non, c'est un truc, les gens, ils tiennent 3 mois, c'est un job d'étudiant, ça. Mais c'est pas le problème, nous, on fait une émission de télé, tu l'as compris, ça. On voit des mecs qui appellent, ça fait de l'image, ça fait de l'action, c'est tout ce qu'on veut, là. Ouais, mais c'est un côté super bidonné. Et moi, c'est pas pour ça que je me suis engagée dans ce collectif. Alors, peut-être qu'on a eu du cul sur les 6 premiers, parce que, effectivement, on a eu de la chance par rapport à ça, mais qui vous dit que ça va marcher si on fait du volume? Ouais, tu dis ça parce que je deviens l'animateur de l'émission. Je peux même te dire qu'on peut proposer une émission quotidienne. Je sais pas si tu vois un petit peu le truc. Alors, faut arrêter de se déchirer, là, pour rien. Nadia a raison. Faut qu'on trouve un vrai travail aux gens. On peut pas s'arrêter comme ça, sur des centres d'appels, c'est n'importe quoi. Ça marche pas du tout. Moi, je vois pas du tout où vous voulez en venir, et je vais être sincère avec vous, je ne vous suis pas. Pour moi, là, vous allez droit dans le mur, quoi. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Les financements arrivent, tout le monde va être rémunéré. Bon, alors... Mais je me rends pas les couilles que les gens ils soient rémunérés. Mettez-vous-en plein les fouilles de la thune, si vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec l'objectif principal du collectif. Je suis désolée, vous allez droit dans le mur. Arrêtez de filmer, bordel! Oh, écoute, on a fait du bon boulot, hein, on va pas s'arrêter. T'appelles en bonne route. T'appelles ça du bon boulot? Oui, t'appelles du bon boulot. T'appelles ça du bon boulot? C'est un boulot de merde que vous faites. Il suffit de rester motivé, c'est tout. Eh ben, moi, je suis plus motivée et je vous lâche. Toujours pas là. Tu veux quoi? Tu veux que j'aille la chercher un taxi non plus? Est-ce que tu sais au moins combien je paye de charges tous les mois? Je sais. Bon, écoute, j'ai un appel urgent à passer. Tu n'as qu'à voir avec elle. Mais après, ça va pas le faire, Gilles. Par contre, tu me connais, hein. Si t'as d'autres secrétaires si jolies à me présenter, je suis open. T'es vraiment un connard, toi, hein. J'ai cru comprendre que t'étais arrivé tous les jours en retard. C'est avec mes enfants, c'est compliqué, hein. Je sais que t'es pas la seule responsable. Le décès de mon mari, tout est devenu si compliqué. Je sais. J'étais pas prête à ça. On n'est jamais prêt à ça. Je sais même pas comment je vais faire, tu sais. C'est mon travail pour Sylvain. Mes enfants. Hé, 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 hé. J'arrive plus. Je
C'est pas le moment de flancher, là. Oh, c'est trop. C'est pas le moment de flancher. D'accord? Tu vas y arriver, faut rien lâcher. T'es une femme admirable. L'essentiel, c'est toi. D'accord? Le reste, on s'en fout. Putain, tu t'emmerdes pas, hein. Bob Marley, les Beatles, Jimi Hendrix, c'est collector tout ça, hein. Au fait, ça va ta boîte? Bah ouais. Ça monte en puissance grâce au démarchage de Katia, elle ramène plein de clientèle. D'ailleurs, elle est en rendez-vous, là. Elle devrait bientôt revenir au bureau. Sous le bureau, tu veux dire, non? Bah écoute, j'ai un service à te demander. Ça te dirait pas de revenir au collectif, là, pour la prochaine émission? J'ai plein de boulot, là. Je suis vraiment pas sûr que ce soit le moment. Allez, réfléchis bien. C'est juste pour nous filer un coup de main pour un ou deux candidats. Et puis ça va faire de la pub pour ta boîte, hein. Ça marche. En fait, je voulais te demander, avec nos fauteuils, il y a assez de place sous le bureau pour Katia, hein? T'es vraiment con, Gilbert. Ah, ouais. Bah allez, tu m'appelles, hein. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et d'avoir répondu à l'appel à participation sur le net. Après une première sélection, vous allez passer une nouvelle étape avant de commencer l'aventure CVStreet. Vous êtes nombreux et vous le savez, nous ne pourrons pas garder tout le monde. Seuls les 6 meilleurs candidats pourront intégrer l'émission. Merci. Donc c'était notre producteur, vous l'aurez compris, on peut le remercier. Voilà, donc je m'appelle Gilbert, j'étais CVStreeter et aujourd'hui je suis animateur de cette émission. Moi, je viens d'une boîte 150 bonhommes qui a fermé. J'étais cadre dans cette entreprise. Alors, trouver du boulot, pour moi, ça va être compliqué. Mais moi, je suis là aussi parce que, vous savez, c'est rare d'avoir un espace de liberté où on peut dire les trucs qu'on a sur le cœur. Hein. Ouais, j'ai un peu la voix qui tremble. C'est pas que je suis ému, je suis surtout en colère. Je suis en colère parce que cette boîte qui était bénéficiaire, alors, restructuration, on délocalise, vous voyez. Alors, le coût du travail, hein, le coût du travail en France est trop cher, il paraît. Il n'y a pas d'argent. Le CAC 40, la finance, il n'y a jamais eu autant d'argent. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir à cette idée que cette émission va ouvrir des portes. Elle va permettre à pas mal de gens de se réapproprier cette envie de se battre, d'exister. Mais avant, c'était quoi? 3 millions de chômeurs égale 3 millions d'immigrés? Non, pas, on parle de chômage. C'est un slogan des années 70. Donc avant, c'était beaucoup plus sournois, beaucoup plus caché. On avait honte de penser comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus honte. Ce qui prouve que l'exclusion aujourd'hui, elle touche beaucoup de gens, que ce soit par leur couleur, par leur situation sociale. C'est pour ça qu'il faut se battre. Donc moi, j'ai plus à m'inquiéter que toi. Tu trouves pas? Oui, c'est vrai. Enfin, bon, moi, tu sais, l'exclusion... Tu connais? C'est à travers les escaliers qu'on me la met. Ça va le pas être possible, monsieur. Ah, bien sûr. Bien sûr, aussi. Voilà. Puis aujourd'hui, on se lâche, comme tu disais, sur Taubira, Banane, Banania. Peut-être que bientôt, on n'aura plus honte de se moquer des handicapés. Écoute, il ne faut pas avoir honte de se moquer des handicapés. Ah ouais? Qui aime bien, châtie bien. C'est comme ça qu'on intègre les gens. Alors, la France nous aime bien. Je suis chômeur, je chante comme mes copains. Je veux un job et que ça tourne. Et pas
refuge soit vu, que les recruteurs me voient, qu'ils admirent mon actu, qu'ils s'arrachent ma vertu. Je suis allé à l'école, pas pour être une idole. Je veux devenir salarié pour dire à mon banquier que le loyer sera payé, que l'argent va rentrer. Je me présente, je m'appelle Henri. Bravo, bravo. C'était superbe. J'ai appris qu'il faut venir le week-end, les jours fériés, mais... Si tu peux pas venir, tant pis pour toi, mon gars. Hein. Non, mais j'ai lu dans le journal... Va le relire. On n'est pas au théâtre, tu fais quoi, là? Ben non, j'ai préparé un texte pour me présenter. Ah oui, je peux le lire? T'es de CVStreet? Quand je vois ça, je me le demande, vraiment. Ouais, c'est bien, mon grand. Tu t'en vas déjà? De quoi je me mêle? T'as du feu, s'il te plaît? Merci. Bon, là, faut que je regarde un truc, là. On dirait qu'il y a un problème de résolution sur la caméra, là. Bonjour. Je vous ai préparé un petit texte. Ça tourne? Deux secondes, OK? Ouais, c'est bon. Ça. Ouais, c'est bon. Voilà, je vous ai préparé un petit texte. Je regarde vers où? Là, dites-moi que... Ouais, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Attends. Bonjour, voilà, je m'appelle Franck. Je voudrais être acteur de cinéma. Bon, actuellement, pour subsister, bien sûr, tout le reste, eh ben, je fais pas mal de boulot, hein. J'ai aussi fait de la figuration, je suis payé. Mais bon, à chaque fois, ben, on me coupe au montage. Bon, pour tout vous dire, voilà, je suis pas très à l'aise face à la caméra. Je suis un grand timide, comme tous les artistes. Alors, je me cache derrière la tchatche, parce que j'aime bien la tchatche. On m'a toujours dit que la tchatche chez moi, c'était une force, c'était quelque chose qui pouvait m'amener... Franck, on t'a dit aussi que comédien, c'est pas un métier avec un salarié en CDI. Eric a raison. On pourra t'aider que si ta demande est réaliste. Est-ce que tu connais le concept de CVStreet? Bon, au début, CVStreet, je croyais que c'était pour apprendre à écrire des CV pour les clochards. Pour les aider à se réinsérer dans le monde du travail. Non, parce que c'est vrai, les chômeurs, ça court les rues, il y en a de plus en plus qui y vivent. Non, c'est vrai, le chômage. Si on y réfléchit juste deux secondes, c'est pire qu'un mort-vivant. À chaque fois qu'on le tue, eh ben, il revient encore plus fort qu'avant. C'est un truc de ouf, c'est un film de zombies. C'est The Walking Dead. Bon, cette blague, je vais la retravailler à la maison. Oui, en attendant, les présidents, ils nous embrouillent tous. Oui, on va éradiquer la courbe de chômage, mais cette fois-ci, c'est pas pour de faux. Mais en attendant, c'est les abonnés du Pôle emploi qui se font éradiquer. Alors moi, c'est vrai, la manière dont vous agissez, ben, ça me touche un peu de partout. Ouais. Je suis très heureuse d'entendre ça. Bah, écoute, si tu veux vraiment rejoindre le collectif, effectivement, à la recherche d'un responsable du collage des affiches. Ouais, ouais, y a pas de souci. Vos affiches, je pourrais les coller avec la langue s'il le faut. Hein. Si ça peut aider à mettre le chômage au chômage. Hein. Un peu d'humour, normal, je suis comédien. La caméra est coupée. Hein. Écoute, si tu veux nous aider, il y a plein de choses que tu pourras faire. Pas de problème. Je peux commencer demain si tu veux. Coucou les enfants, je suis rentrée. Je vous présente Gilles. Bonjour. Il va rester manger avec nous parce qu'il doit travailler avec moi. Bah mets-toi à l'aise, hein. Fais comme chez toi. Ok, merci. J'ai rendez-vous avec Olive. T'as une caméra? Tu fais un film? Ouais, je fais un portrait vidéo de ta maman. C'est pour l'aider à trouver du travail. Quand je serai grande, je serai docteur. Moi, j'aimerais trop être un super-héros. Sauver les gens et les rendre heureux. C'est un métier difficile, ça. Moi, je perdrai mon travail si rien n'est heureux. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que maman, quand elle est triste, elle va au docteur. Très bien. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais de ton implication forte dans le domaine de l'associatif. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui. Bah, c'est une association qui lutte pour les SDF, pour leur permettre d'obtenir de la nourriture et surtout un endroit où dormir. D'accord. Et toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais les rencontrer un de ces jours. Enfin, ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est comment t'en es arrivé au bénévolat. Parce que le bénévolat, tu sais, ça fait parler, les gens parlent, les gens pensent. Ouais, peut-être qu'elle veut se mettre en valeur, peut-être qu'elle a un manque à combler, peut-être même qu'elle veut gérer ses propres conflits avec ça. Toi, t'en es où?
Mais Gilles, la question, elle ne me concerne pas. Hein. C'est plutôt où les autres, ils en sont avec ça. Parce que moi, tout au long de l'année, je vois des SDF, ils sont démunis, alcooliques, sales. Ils ont d'autres soucis que toutes ces personnes qui viennent une fois par an pour se déculpabiliser et qui retournent tranquillement bouffer leur dinde de Noël. Tu vois ? L'important, c'est vraiment de les écouter. C'est tout ce qu'ils demandent. Un peu d'écoute, un peu de respect en tant qu'être humain. Donc, tu nous dis que ta réussite ne passe pas par celle des autres. C'est ça. Tu n'es pas mon médicament et je ne suis pas ton remède. Tu donnes juste de l'amour, c'est tout. D'éteindre la caméra. Ce qu'il faut, c'est réunir les demandeurs d'emploi et les entreprises dans le même lieu. Simplement pour qu'ils se rencontrent. Mmh. Tu vois, un peu comme on fait avec les célibataires, là, dans les trucs, là, qu'on s'appelle. Ouais, le speed dating. Ouais, le speed dating. Et ben nous, on va faire un job dating. Tu vois, tu fais ton plateau télé, tu fais une tribune pour que les entreprises puissent s'exprimer, montrer leur savoir-faire, etc. En parallèle, on crée un catalogue. Avec des pages publicitaires. En plus, ça permet aux entreprises de dire tiens, on soutient le projet, c'est super. Bon, naturellement, on reverse le plus gros à l'association, tu vois. Et là, hop, la boucle est bouclée, tout le monde est gagnant. L'association, les chômeurs qui retrouvent du boulot. Et nous, voilà. T'as tout compris. Ça s'est bien passé avec Monique ? Ah, très bien. Non, si. Non, c'est mal passé. Il y a eu un souci avec Sylvain, il lui a pas reconduit sa période d'essai. Donc moi, je vais lui rattraper le coup, j'ai fait un portrait vidéo avec elle et... Bon, écoute, moi, je vais rentrer, hein. Faut que je sois en forme pour l'émission de demain. Moi aussi, je suis crevé. Hein. Bon, Gilles, tu vois avec Phil hein, pour les rushs. Il va nous faire un montage. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je suis là demain après-midi, donc... Embrasse Monique pour moi. Hein ? Ouais, Phil ou Pétien. Est-ce qu'on peut se parler deux minutes ? Pas de problème. Ben, moi, je vais prendre le métro. Et toi ? Écoute, moi je voulais juste te raccompagner là. Je vais te remercier d'ailleurs de m'avoir accepté dans le collectif. Ah, mais il n'y a pas de problème. J'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'on va faire quelque chose ensemble. J'espère bien. Bon, ben, je te dis bonne soirée alors. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, écoute, j'ai pas le temps, Franck. J'ai mes études, j'ai CVStreet, tout ça. Quoi, t'as pas le temps pour recruter, c'est ça ? Écoute, moi je veux juste apprendre à mieux te connaître, c'est tout. Ouais. J'ai pas un bon CV ? Si, je suis sûr. T'es sûr que tu vas pas faire une période d'essai ? Regarde, moi, ce que je te propose, on passe sur un CDD de 2 semaines. On va demain sur un 3 mois. Et puis si ça le fait, CDI, t'inquiète pas, avec moi, t'auras une augmentation salariale. Alors ? Bon, ça va aller. Ouais. Bon, j'y vais. Non, mais passe une bonne soirée. Merci.
Je te sers quelque chose à boire? Ouais, sans alcool. Tu bois pas? Non. Alors je vais avoir jus d'orange, jus de pomme, jus de raisin. Parfait, ça te va? Parfait. Monique m'a beaucoup parlé de toi. Ah. Bien. Oui. Et de ton projet aussi. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut déjà comprendre que l'exclusion fait suite à une série d'éléments déclencheurs. Mal logement, perte de travail, perte de lien social, problème de santé, problème affectif. Nous, à la Fondation, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 240 000 mal logés dans notre région. Et évidemment, cette problématique, elle touche... personnes en situation d'exclusion, mais également les classes moyennes. Non, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le logement est devenu un produit spéculatif. Ouais. Vous voulez du logement, nous on vous donne les subprimes, et c'est à cause de tout ça qu'on est en crise. Non mais sérieusement, quand tu regardes les infos, finalement c'est les médias qui le créent, le climat anxiogène. Toi tu te retrouves face à ça, t'es complètement largué, paralysé, et en plus les mecs ils te font comprendre que c'est toi le coupable. En tout cas, c'est ce que la télé essaye de nous faire croire, mais on n'est pas obligé de les suivre dans le système. Non, vraiment, les médias n'ont plus rien à nous apprendre. Enfin, je dis ça, mais je raconte une connerie, parce qu'en fait, tous les jours, ils nous montrent que le profit, la consommation domine le monde. Mmh. Pour quelles conséquences? Une sorte de société du spectacle où finalement, nous sommes les spectateurs involontaires. C'est aussi un peu les acteurs. Écoute, à l'occasion, si t'es dispo, j'aimerais bien qu'on se voit, qu'on discute. Qu'on... Pourquoi pas, avec plaisir. Je vois que vous êtes en grande discussion, tous les deux. Oh, mais boulot, mais y a pas que ça dans la vie. Allez, viens, toi, je te kidnappe. Monique, je voulais te remercier pour tes soirées, elles sont super. Cette chanson est extraite de notre prochain album, et j'aimerais... que tout le monde chante avec nous. Strong. She holds me when I'm sad. She seems to understand before I do. I put many downs when I was losing myself. She showed me the world with solutions. She loved me strength. If for nothing else, I would and I could change my way. Thanks for all the things you did. Thanks for all the things you said. And thanks for the life you give to me. I'll do my best
to leave. I'll do my best to leave. I'll do my best to leave. Mais qu'est-ce que tu fais, Lola? T'écrases des fourmis? Parce qu'elle a travaillé pour la reine des fourmis. Moi, je veux travailler pour moi. Elles font ce qu'elles veulent. Bon, tu sais que je plaisante, hein? T'es ma petite princesse adorée. Allez, viens me faire un câlin. Mais bon, tu sais que c'est pas bien de faire du mal aux êtres vivants. Je t'ai déjà expliqué. Je sais ce que je veux dire au collectif. Je veux dire qu'on va tout arrêter. Faut revenir à l'essence même du projet, putain. Faut revenir à la force qui faisait le truc. Ah. Je vais leur dire que je vais arrêter. Je te fais confiance. Hein. Hey, t'as pas une clope? Non, désolé, je fume pas. Mais tiens, prends mon sandwich. Merci. T'aurais pas une petite pièce? Si. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fred, et toi? Fatima. Oh, ça c'est un beau prénom ça, Fatima. Merci. Je lève mon verre à toi, Fatima. À ta santé, Fred. Merci, ma belle. De rien. Bon courage. Ça va et toi? Écoute, ça va. Tu es bien rentré? Ouais, carrément. Dis-moi, tu es bien élégant. Ouais, c'est pour le tournage de la pub. D'accord. On dirait pas que je ressemble à Pacino dans Scarface? Ah oui. Si je te dis champagne, limousine. Écoute, on en reparle quand le monde est à toi, ok? On n'attend pas Gilbert et Franck, du coup? Ça tourne. Moi, mon CV en ligne? J'utilise le site projobs.com. Avec Projobs, on est sûr de réaliser un CV professionnel qui attire les meilleures entreprises. Oui, Projobs propose de multiples modèles de CV et permet, en quelques clics, de contacter les meilleures entreprises. En plus, si on les appelle de la part du collectif, on bénéficie d'une remise immédiate de bienvenue. Profitez-en. C'est fini? Une question pour le contrat d'intéressement, parce que le bénévolat ça va 5 minutes. Les droits à l'image, tout ça, rémunération, on en parle? Appelle la prod. Appelle la prod. Ok, merci. Au revoir. Chômeur prospecte par téléphone et trouve eux-mêmes les offres d'emploi. Et je peux te dire que les premiers résultats sont vraiment encourageants. Mais tu sais très bien que l'emploi est la responsabilité de l'État. Nous ne pouvons pas faire grand-chose, si ce n'est... Je sais. Enfin, vous avez une politique volontariste à ce sujet. Et puis en plus, les élections approchent, non? Il te faut combien? 300. Mais j'ai pas ce budget. Martine, ça serait quand même dommage que l'émission se tourne dans une autre ville, non? Arrête ton cinéma, Alain. Ce que je peux faire, c'est t'offrir un lieu pour ton salon. Je ne peux rien faire de plus. Écoute, c'est exactement ce que je te demande, de m'aider. Par contre... Tu comprendras que notre visibilité doit être totale. Faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire respect de la charte, donner du sens à l'action. Et puis surtout, être à l'écoute. Ça paraît con comme ça, mais c'est la base. Ça sert à rien de mettre la pression pour les gens qui veulent des résultats immédiats. Ça n'a jamais mené nulle part, ça. Le dispositif, il est où, là-dedans? Nous, on passe pour quoi? Voilà, donc après, faut se dire que rien n'est acquis. Le fait de poser des CV dans la rue, bon, très bien, c'est un effet de mode. Mais d'ici 3 mois, ça aura disparu, tout ça. Tu veux en venir où? Je veux en venir... Je vais quitter le collectif. Mais tu peux pas faire ça, tu peux pas partir, Gilles. Écoutez, vous êtes une bonne équipe, vous avez des qualités, de beaux projets, des compétences. Je pense que vous avez plus besoin de moi aujourd'hui. Bah vas-y, casse-toi. Très bien. Bon, sinon, pour le job dating, j'ai eu Alain au téléphone, ça se présente plutôt pas mal. Enfin, si ça t'intéresse, hein, Fatima. Et... Ben, c'est super. Et on continue la réunion, là, ou quoi? Putain, tu m'emmerdes, toi aussi. J'y arriverai pas, toute seule. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Y a pas de raison. Bon, prends soin de toi. Non mais c'est bon, vas-y, casse-toi. De toute façon, tu es même pas capable d'assumer. C'est bon.
Fatih, ça va? Oui, ça va, c'est bon, c'est bon. Alors, c'est quoi ton truc, là? Ben écoute, en même pas 3 heures, on a pris 20% de fréquentation supplémentaire. On est à 4 800, je vise les 5 000 d'ici... Ouais, ben c'est super, c'est super. Allez, continue comme ça. Ah, c'est pas la peine, Franck. Ben non, tu vas coller des CV, toi, pendant les élections municipales. Ben, dès demain, ça va être recouvert par les affiches des candidats. Et moi, je fais quoi, alors? Ben écoute, moi, je te donne mon avis, hein. Tu peux faire une dernière session de collage et puis on reprend après les élections, ça va? Ok, ça va, nickel. Ouais, bah vas-y si tu veux. Ouais, c'est bon. Bonjour, ça va? Bon, bah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On doit préparer un dossier pour Martine Simoni. Alors, bah, c'est très important parce que ça va nous permettre d'obtenir un financement pour l'asso pendant 1 an. Et là, je vous parle de 50 000 euros, hein, c'est pas rien. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Ah, bah, il faut contacter les entreprises et leur proposer de participer gratuitement à l'expo. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre la liste dans le dossier. Parce que bah, s'il n'y a pas d'offre, le job dating n'a plus de raison d'être. Hein. Alors, Gilbert, Fatih, là, vous êtes sur le coup. Hein. Bah ok, bien sûr. Hein. On commence par qui? Bah écoute, là, j'ai un petit fichier Excel là, sur lequel on peut faire des attends, fiches. Attends, nous prends pas la tête, donne-nous un nom au hasard, et puis nous, on y va, on le tue, le gars. Allez, Michel Lebon. Michel Lebon, c'est bon, ça. Hein? Et on y va de bon matin, nous, on est bon, et on lui glisse un bon. Un bon de commande, quoi. Ah ben, c'est sûr que si vous n'avez pas d'humour non plus... Non. Quelqu'un veut un bonbon? C'est bon. Ah, putain. Oh, Marseille. On dirait que la mère a pleuré tes mots, qui dans la rue se prenaient par la taille. Ils n'ont plus la même ardeur à se percher aux lèvres de tes gens que la tristesse en parle. Or, Marseille, on dirait que Notre-Dame en fleurs s'est penchée dans le port pour boire à ton eau verte, qu'elle voyait briller comme brillent les pleurs aux yeux de tes marins que l'absinthe déserte. Oh, Marseille, on dirait que le vent t'a vaincu dans la miséricorde où la vallée le traîne, et que de ce mistral qui glace ta vertu, il ne reste qu'un peu d'accent qui se promène. Je vois que les poètes sont sortis. Richard, mon vieux, ta carrière est assurée. Tu devrais faire du théâtre. En plus, avec de telles paroles, t'es sûr d'enfoncer quelques portes. Ça changera de moi que je suis un peu trop bourré, quoi. Mais t'es aussi bourré de talent. Sauf que tu fous tout en l'air avec ça. Enfin bon. Le client est roi. Et je sens que le roi est bientôt mort. Une mort de théâtre. Y a pas mieux. D'ailleurs... Dans la vie, on est tous sur la scène. Une scène bien réelle. Sauf qu'on n'a pas toujours le bon rôle. Et oublie ça, hein. C'est rien. Pas vrai, petit frère? Santé! Et toi, t'en es où, toi? T'es toujours amoureux des causes perdues? J'en suis que je me suis barré. J'en ai eu marre de toutes ces conneries. J'ai foutu le camp. Ça m'étonne pas. Putain, pourtant, l'idée, elle était bonne au départ. Et toi, t'en as fait quoi? La télé à la con. Monsieur a fait sa star. Monsieur s'est pris pour je ne sais qui. Mais t'as fait quoi? T'as aidé 10 chômeurs et ça y est? Tu te prends pour Gandhi? Putain, mais t'es vraiment qu'une merde, mon pauvre. Ouais. Toi, t'es quoi, toi? Hein? T'es quoi? Moi, je suis quoi? Ouais. Je suis un alcoolique, moi. Et je t'emmerde. Tu m'emmerdes, hein? T'as toujours fait que ça, m'emmerder. M'emmerder les gens, le monde, le système. Et moi, espèce de con, pendant que tu...
Tu te bourrais la gueule tous les soirs, j'essayais de faire quelque chose avec ce collectif. Ouais! Mais bravo! Il est là, l'animateur télé! Il est pas beau, l'animateur télé! Regardez-moi ce con! Regardez bien! Je vais vous proposer une petite pub, là, pour vous expliquer le problème. Entrée d'homme! La petite pilule qui fait du bien au quotidien. Ça, c'est le slogan. Maintenant, le concept. Dans la rue, tu te balades, peinard. Et là, il te manque quelque chose. T'étouffes, tu suffoques, t'as mal. Tu cherches, il faut que t'aides quelqu'un. Tu fais quoi? Tu cherches. Et là, tu trouves quoi? Un beau SDF. Bien sale, bien dégueulasse. Tu sais, le SDF qui pue avec son chien et sa couverture, tu le vois là? Et là, tu t'arrêtes. Et surtout, tu lui parles. Tu lui tends ta main bien propre. Parce que bien sûr, t'es propre, hein, enculé. Et là, voilà, entrée d'homme. 2 mg par jour et t'as ta dose de bonne conscience. Voilà, c'est ça qui vend ce con. C'est ça. Et tu sais qui c'est, Richard, ce con? Tu sais qui c'est, ce connard? L'enculé de la bonne conscience, c'est lui. Pas la fermer un peu ta gueule. Quoi la fermer? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je la dise la vérité universelle? Tu veux savoir, toi qui sais toute la vie, hein? Il faut que tu penses avec ta bite, avec tes couilles, hein? Ton cerveau, il est bien au bout de ton froc, là. Voilà, c'est ça. Parce que moi, tous ces misérables, j'en ai rien à foutre, moi. Tous ces clodos qui puent, je les emmerde. Je leur pisse au cul, c'est du bidon, tout ça, hein? C'est du bidon. Tu sais quoi? Je me demande si t'es pas un petit peu pédé, toi, par hasard. Putain, si j'avais une gonzesse comme ta Monique, putain, je la trancherais tout de suite. Interdit de parler d'elle. T'entends? Cet éclat blême sur le givre. Est-ce la lune ou le soleil? Permettez-moi d'insister, monsieur Lebonge. Je crois que pour votre agence de communication, ce serait une opportunité exceptionnelle. Avec ça, vous pourriez communiquer... Oui, ouais, franchement. Monsieur, votre rendez-vous vient d'arriver. Ah, c'est mademoiselle Fatima? Bonjour. Bonjour. Ah. Okay. Je suis vraiment désolée d'être en retard, mais j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Bah écoutez, c'est parfait. Fermez les yeux. Ah bon? Hop. Vous allez? Voilà, CVStreet, c'est ça. Voilà, et en fait, l'idée, c'est de mettre le logo de votre société, là, juste ici, en gros, quoi, bien visible. Ouais, bon, ça va, j'ai compris le concept. Maintenant, comment vous le vendez aux entreprises? C'est quoi votre argumentaire? C'est quoi vos résultats? En termes de résultats, c'est assez formidable. Et moi, par exemple, j'ai travaillé 15 ans dans la même entreprise, j'ai été licencié, et maintenant, je travaille pour CVStreet. Moi, j'aurais peut-être pas attendu 15 ans, hein. Voilà, moi ce que je veux, c'est qu'on réapprenne à vivre ensemble. Qu'on puisse créer un projet en commun et avancer dans la même direction. Oui, bon, écoutez, j'ai préparé une proposition concrète. Je vous demande d'y porter attention. Voilà, et le temps de réflexion. Non, mais c'est bon. C'est bon? C'est bon? Ouais. D'accord. Vous me laissez le poster, là? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon, je vais vous filer un coup de main, ouais. Bon, bah écoutez, merci monsieur Lebon de nous avoir écoutés, et au nom de CVStreet, je vous remercie et à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup, et à très bientôt. Fatima? Oui? Ça vous embête si on discute 5 minutes? Non, pas du tout. Merci Gilbert. À bientôt.
Ok, bon, écoutez, là j'ai des rendez-vous, là, faut que je file, mais je vous dis tout en vrac et vous réfléchissez, on s'appelle. Mmh. Alors, moi j'ai envie de m'investir dans votre projet, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est pas à ce niveau-là que je veux m'investir. Moi, je peux vous faire bénéficier d'un regard. Ce qui est important, c'est cette photo, là, cette idée de travailler sur la photo. C'est ça, les photos, quoi. C'est-à-dire, vous montrer des gens, vous. Donc, il faut. Mais ces photos, il ne faut pas les montrer que dans le cadre de votre projet, il faut aussi les montrer. C'est de l'art ce que vous faites. Vous exploitez artistiquement un concept de citoyenneté sociale, vous montrez des gens, des vraies personnes. Donc, il faut aussi faire des expos. Vous faites des expos, mais c'est ça dans des cadres. Vous contactez des galeries, moi je peux vous donner des contacts. Voilà, des expos permanentes dans la ville, dans des galeries, on s'en fout. Mais qu'il y ait aussi une démarche artistique. Je veux dire, vous avez vu le truc sur la corniche, là, sur le mur de Zidane, là, il y a un mec qui a fait. Le gars qui s'appelle comme dans Dallas, là. JR. Voilà, l'artiste, là. Sur la corniche, vous vous rendez compte, le monde qui passe tous les jours. Et là, d'un coup, c'est plus la jeune femme des années 60 de JR, c'est vous, c'est Fatima, c'est Fatima, c'est CVStreet, je sais pas quoi, c'est à vous de voir, mais tu m'embauches, machin, tout ça. Et là, on est au bon ratio, à la bonne dose d'effort qu'il faut pour vendre votre truc. Effectivement, quand vous le dites comme ça, ça a l'air tellement simple. Ouais, puis non, si vous nous aidez, c'est génial. Chacun fait son métier, c'est comme ça que ça... Mmh. Et dans votre collectif, c'est pareil, voilà. Si demain, vous aurez un gars qui vend bien, c'est comme ça que ça se passera aussi sur la vente de l'idée, quoi. Enfin, ça, je vous le dis, je dis ça, je dis rien, après, vous faites... voilà. Mais... Ouais, Fatima. Bien. Ouais, et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je couvre la manif contre le chômage. Ah ouais, il y a du monde, hein? Ouais, carrément. Tu bosses dans l'emploi, toi, d'ailleurs? On peut faire un bout d'interview? Ah bah, bien sûr. Allez, super. Tu es le chômage, pas l'emploi. Tu es le chômage, pas l'emploi. Tu es le chômage, pas l'emploi. Fatima, aujourd'hui, concernant l'emploi, on peut dire que la situation est grave. Ah ouais, ça c'est sûr, je vais pas dire le contraire, la situation est alarmante. On devrait tous être là aujourd'hui pour trouver des solutions et arrêter d'avoir peur de l'avenir. Allez, debout. Bah dis donc, ta nouvelle équipière, c'est du béton, question. Voilà, il faut arrêter de mettre la faute sur les chefs d'entreprise qui subissent simplement la pression des marchés. Maman ? Maman ? Oui ? Tu peux m'apporter une chemise propre, s'il te plaît ? Qu'on accuse d'être mental. Ouais, n'importe. Voilà, moi je pense qu'il faut réellement améliorer le système éducatif, la formation professionnelle notamment. C'est normal, on regarde la télé. Et aussi, bah voilà, innover en t'as vu là la ah bah, c'est Fatima, c'est celle dont je t'avais parlé, la responsable de l'émission télé. Tu sais, maintenant j'ai un travail sérieux, hein. J'aide les chômeurs. Oui, tout à fait, on les soutient. Bon, allez, faut que j'y aille. On est avec eux, on espère que les choses vont changer. Merci à vous. Franck ! Fais attention à toi, mon fils. Maman, c'est pas vraiment foutu, moi. C'est maintenant que t'arrives, toi. Je te signale qu'on a encore une campagne d'affichage assurée, hein. Ouais, mais hier, tu m'as dit que c'était pas la peine. Attends, j'ai jamais dit ça. Alors tu prends Jean et ensemble, vous allez me coller toutes les affiches qui restent. Oh, et chez l'entreprise, là, vous m'entendez? Putain, il est bon, rien. Attends, on peut pas laisser comme ça. Moi, j'ai une affiche aussi. J'ai une affiche avec ma tranche dessus. Eh, hey, reste pas là, tu vas t'attirer des ennuis, hein. Ouais, tu te prends pour Mère Teresa ou quoi, toi? Allez, tu t'en occupes, après tu vas. Moi aussi, j'ai du boulot, hein. Moi, je veux du taf, je veux du boulot, je veux un job, je veux bosser, moi. Bah, des petits boulots, j'en ai déjà fait, hein, j'en fais, voilà. Tiens, l'autre fois, j'ai fait du jardin. Pendant toute la journée, on a fait du jardinage et tout, avec des feuilles, des brouettes, de la terre et tout, toute la journée. Et j'avais fait un déménagement. Ah. Un déménagement, tu sais, avec des... On a porté des machines, des trucs, des fours, des trucs super lourds, quoi. Je m'étais fait super mal au dos, j'avais des suites d'eau cassées. Pour ça, je bois, parce que la nuit, j'arrive pas à dormir, j'ai trop mal au dos. Et on fait comment si on veut t'appeler? Non, mais il faut pas mettre de... Non, parce que moi, j'ai pas de téléphone, hein. Faut pas que tu mets pas téléphone. Non, moi, j'ai pas de téléphone. Tu peux mettre... Les mecs qui passent, ils mettent un petit mot. Et moi, je suis toujours là, de toute façon, à part des fois. Mais sinon, mettre un petit mot, c'est bon, quoi. Les gens, ils te regardent dans la rue? Les gens...
Les gens me regardent pas. Les gens ils me regardent plus. Je viens d'avoir un certain Mathieu Larouche en ligne. Il dirige un centre social dans les quartiers nord. Bon, il faudrait le contacter rapidement. Hein. Il a des candidats à nous présenter. Super. Ouais, ben les CV de racailles, ça ramène pas de sponsor. Hein. De quoi ? Des CV de racailles ? Non mais tu te prends pour qui ? C'est toi la pire des racailles. Tu passes ton temps à embobiner tout le monde. Bon, Fatih, tu t'en occupes. Hein. Ouais, je m'en occupe et toute seule. Attendez, moi je vous suis plus, là. Alain, tu nous dis qu'on fait un salon. Hein, puis maintenant, tu veux faire de l'insertion dans les quartiers ? Ben, je la fais tourner comment, moi, la boutique ? Bah, c'est sûr que si tu fais du forcing comme ce matin, on va pas aller très loin. Hein. Essaie de réfléchir un peu à long terme. Ça, je suis d'accord. Bon, écoutez, on en est où du dossier Martine Simoni ? Ça, c'est bon. On est allé voir le bon ce matin, j'ai réussi à avoir l'accord. Voilà, maintenant, il faut trouver une stratégie. Tu as réussi à avoir l'accord ? Écoute, t'es gentil, hein. Nous avons réussi à avoir l'accord, ok ? C'est pas pareil. Tu commences vraiment à me faire chier, hein. C'est bon, tu l'as eu, ton poste d'animateur. Tu veux quoi de plus ? C'est quoi ton problème ? Fatih, tu parles pas comme ça. Je lui parle comme je veux, hein. Et puis tous les deux, vous croyez que je vois pas votre petit jeu ? Hein, vous passez votre temps à prendre des décisions au nom du collectif, mais je vous rappelle quand même que sans Gilles et moi, vous seriez pas là aujourd'hui, ok ? Ok, ok. Alors j'ai compris. Alors si tu estimes que je suis pas digne de faire partie de ton collectif, c'est bien simple, je me casse, tu me verras plus. Super. Ok, ouais, ouais. Non. Mais attention, oh, c'est pas parce que t'as trouvé un client aujourd'hui que tu dois te la péter, hein. Fatih m'a raison, on va pas prendre de décision sans Gilles, c'est quand même lui qui a créé ces CVStreet. Vous me lâchez avec Gilles un peu, oh. Vous savez où il est Gilles en ce moment ? Je vais vous le dire moi où il est. En ce moment il est avec une petite demandeuse d'emploi là, à jouer les formateurs à la con, ok ? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es jaloux ? Écoutez, vous vous calmez tous les non, deux. Non, je me calme pas, il en est hors de question, je vais pas laisser un égoïste en manque de reconnaissance foutre à l'air CVStreet. Attends, alors je suis égoïste moi, je suis égoïste. Égoïste et manipulateur en plus. Alors ça va, j'ai compris, hein, la messe est dite, ok ? Ça va, alors la grande prêtresse de l'emploi veut sauver le monde, c'est ça ? Bon, écoute, et toi tu m'as déçu, tu vois, là. Je pensais que t'avais un peu plus d'ambition que ça. Allez, bon CVStreet à tous. Et puis surtout m'appelez plus, ok ? Manquerait plus que ça. Salut. Allez, Jeannot, c'est la dernière campagne d'affichage, hein. Alors, Edune, moi, j'en ai marre que tu m'appelles Jeannot, hein, ça m'énerve. Moi, c'est Jean, ok ? Edu, ta campagne d'affichage, j'en ai ras-le-bol, on a été collés partout, on va pas aller coller jusqu'en Algérie. Et deux, trois, je veux boire un petit coup, moi, ok ? Ben, justement, il faut qu'on fasse un grand coup, là. Ouais, ben on peut aller coller à Saint-Charles, ou sur l'autoroute, ou à Marignane, sur les grands trucs qu'on voit bien partout. Arrête. On écoute ce qu'a dit le collectif, ok ? On suit, ok ? Allez, Jeannot. C'est Jean, moi, ok ? Je m'appelle Brahim, j'ai 24 ans. J'habite à Les Rosiers, et j'aimerais travailler dans la sécurité. D'accord. Et si tu ne trouves pas dans la sécurité, il y a quelque chose qui te plairait ? Maintenant, si on peut, s'il n'y a pas ça, faire autre chose, je ne sais pas, peut-être m'engager dans l'armée. Hein, parce qu'il paraît que tu voyages bien et tout ça. D'accord. Ok. Et t'aimes voyager alors ? T'as déjà bougé ? Une fois, on est parti avec le centre social. Mathieu avait organisé ça, les collègues, tout ça. On est parti en Espagne. Putain, c'était bien. Mais juste une fois, en fait. C'est déjà ça. Et sinon, les autres jeunes du quartier, ils en pensent quoi du centre social ? Ils y viennent régulièrement ? Ici ? Ouais. Et tu le vois, hein, pas beaucoup de monde. Mathieu, après, il fait ce qu'il peut, tu vois. Mais bon, il y a des jeunes que tu peux pas tirer, tu peux pas obliger à venir, quoi, tu vois. Ils préfèrent rester à traîner dans le quartier pour faire des sous. Il y en a même, ils vont même plus à l'école. Ils sont super jeunes. Ça y est, c'est fini pour eux. Voilà, mais bon. Et du coup... Qu'est-ce que tu penses de la violence ? Quoi, la violence ? Dans les quartiers ? Ouais, ben c'est... Il y en a. C'est partout pareil, quoi, non ? Je sais pas, ben, tu vois... La violence, tu la trouves partout. Marseille, le centre-ville, le beau quartier, partout il y a de la violence, hein. Oui, je suis d'accord. Attends, je mets ta caméra sur pause. Ça, on pourra parler tranquillement. En fait, je sais qu'il y a de la violence dans les quartiers. Tout le monde le sait, tu vois, c'est pas ça le souci. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que t'en penses, toi, personnellement, comment tu le vis de l'intérieur. Mais tu le vois, quoi, tu vois, c'est-à-dire que c'est... Voilà, la violence, elle existe, c'est vrai, tu as raison. Mais on le voit tout le temps, tous les jours. Mais bon, tu veux faire quoi ?
Tu vas te mêler des affaires qui ne te regardent pas. Je me dis, le mec, s'il est dans cette histoire, c'est que forcément, il a dû faire un truc, tu as vu. Voilà. Dans la dernière fois, il y avait un mec, ils l'ont ramené d'un quartier, je ne sais pas lequel. Ils l'ont entraîné dans une cave, ils l'ont mis à poil. Ils l'ont séquestré pendant 24 heures. Et après, ils l'ont libéré comme ça, à poil, vas-y, rentre-toi. Franchement, j'ai réfléchi. C'est pas ça ma vie, quoi. Parce que moi, j'ai des amis d'enfance. Il faut que rentrer et sortir de prison. À chaque fois, ils t'envoient des courriers, ça fait de la peine un peu. Voilà, quoi. Et puis, à côté de ça, t'as les mères, les mamans. Elles sont tristes. C'est la honte pour une mère d'avoir son fils en prison. Il y en a, je sors plus de chez elle tellement. Tu vois? Et moi, franchement, j'ai pas envie de faire vivre ça à ma mère, tu vois? Alors, du coup, je me dis, c'est l'argent facile, ça dure un temps, mais autant ne pas y toucher, tu vois? Et directement travailler. Mais bon, franchement, tu galères, hein, parce que c'est pas facile de trouver un travail. Hein. Bon, même dans la sécurité, tu le vois, hein, Mathieu, il est avec moi. Tout le temps, on essaie, pourtant, dans la sécurité, il n'y a que des noirs et des arabes. Enfin, voilà. C'est vrai. T'as raison. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure à ton producteur au téléphone. Il y a du travail à faire ici. Ouais. Effectivement, j'aimerais que la campagne qu'on va faire ensemble soit vue par tout le monde. Ouais, enfin, surtout dans les quartiers riches. Ouais. Enfin, surtout dans les quartiers où vivent les recruteurs. C'est important, tu vois, c'est comme si on leur disait « Vous voulez pas lire leur CV parce qu'ils sont d'origine étrangère, alors on les expose en bas de chez vous. » Ouais. Et tu sais quoi, tout à l'heure, on en parlait avec Brahim. Tu fais que les Arabes étaient stigmatisés, tout ça. Ça m'a donné une idée. Je me suis dit qu'on pourrait faire une campagne. Je suis arabe, tu me recrutes. Ah, c'est pas mal, j'aime beaucoup ça. Je suis arabe et handicapé, est-ce que tu me recrutes? Oui, pourquoi pas. Je suis arabe, handicapé et homo, est-ce que tu me recrutes? Je suis martien, j'ai un nez de 2m20, est-ce que tu me recrutes? Moi, je t'en recruterai en tout cas. Il nous manque les financements. Ouais. Mais bon, j'ai ma petite idée. T'es pleine de ressources, hein. C'est comme mon père, hein. Pour le casting vous allez tourner là? Bon, d'abord, vous allez passer le casting et après on verra. Sinon, ça passera qu'à la télé. Bon, allez, venez, on va vous expliquer. Dis-moi, c'est toi qui colle ces affiches là? Ouais, pourquoi? Comment, pourquoi? C'est pas interdit, je t'emmerde moi. Oh, tu cherches les problèmes toi? Bonsoir monsieur, qu'est-ce qui se passe? Comment, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me décoller ces affiches-là, et vite fait, hein? C'est bon, on n'est pas à tes ordres, hein? Ange, occupe-toi de ces mecs parce que je vais m'énerver. Ouais, ça va. Décolle vite les affiches. Mais ça va, calme-toi, on va te faire le Mario, là. Toi, le Mario, ouais, décolle les affiches, ouais, j'ai dit. Qu'est-ce que tu as un problème? Non! Je voulais vous remercier de m'avoir reçu aussi rapidement. Hein. C'est-à-dire que je suis un petit peu gênée par ce qui vient de se passer. C'est-à-dire? Je viens d'apprendre qu'il y a eu une dispute avec un membre de votre équipe au sujet d'une affiche qu'il aurait collée. Ils se sont bousculés et votre ami était blessé. Mais rien de grave, mon équipe est sur le coup, ne vous inquiétez pas. Vous vous foutez de ma gueule? Comment vous parlez? Tu fais toutes tes conneries, j'en ai assez fait, hein? Ici qu'on tournera l'émission. Dites-moi, Phil, je voulais vous parler de quelque chose. Ce matin, j'ai eu une idée de sponsor. Vous savez, je viens d'apprendre que Mutuelle de France Plus et Chèque Santé
proposait pour les demandeurs d'emploi une couverture intégrale. Bah écoutez, c'est l'occasion rêvée hein, pour leur proposer un partenariat. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vous le producteur, c'est vous qui voyez. Je veux qu'on intervienne auprès des personnes en difficulté. On ne peut pas tolérer que plus de 60% des jeunes des quartiers nord soient au chômage. Vous croyez que c'est si simple que ça? Ça fait des années que je milite pour changer les choses, et au sein même de mon propre parti. Et vous croyez qu'en collant 3 affiches, vous allez tout résoudre? Vous êtes bien naïve. Est-ce que vous pensez que vos affiches à vous ont plus d'utilité, c'est ça? Bah écoutez, puisque ça ne sert à rien, on va arrêter CVStreet, et puis on expliquera clairement à tout le monde à cause de quoi, et surtout à cause de qui. Les médias vont nous suivre, vous savez. Et aux dernières nouvelles, vous êtes en pleine campagne. Arrêtez vos histoires. Votre ami a déclenché une bagarre, il a fait une mauvaise chute, c'est tout. C'est tout. Vous faites quoi, là? Vous cherchez à me provoquer? C'est pas comme ça que ça marche. Croyez en mon expérience. Il va falloir apprendre à vous maîtriser. Moi aussi, j'ai dû composer pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Je sais pas ce qui s'est passé. Ils sont venus, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien fait. C'est pas de ma faute, j'ai rien fait moi. C'est la faute de ces connards là. Il y avait des affiches, il y avait tout, mais moi j'ai rien fait. Tu t'es shooté? Tu t'es shooté ou quoi? T'as fait quoi? Merci de nous faire confiance, tu verras, tu seras pas déçu, c'est un très beau projet. Bah écoute Gilles, de toute façon y a pas de soucis, tu sais que je crois en CVStreet, donc bah accrochez-vous, allez jusqu'au bout. Merci beaucoup. Fatima, à bientôt. Gilles, bon courage. Merci. Au revoir. Salut. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, c'était bien. C'est quoi ça? Nous rassembler et nous unir autour de valeurs communes. Marseille et notre entreprise. Merci. Je vous attends tous aux prochaines élections municipales. Quand on veut défendre une cause, il faut savoir accepter le compromis. Aider les gens. C'est agir avec son cœur et ses convictions. Nous devons mener ce combat ensemble, pas nous battre. Je vous écoute. Je vous propose de prendre la tête d'un projet que nous mènerons ensemble après les élections. Je suis d'accord. Il y a une seule condition, que tout le budget soit mis sur les quartiers nord. Eh bien, c'est entendu. Nous sommes donc d'accord. Vas-y, c'est Gilles. Viens à l'hôpital nord, c'est urgent. Dès que tu as ce message, tu viens de suite. Putain, j'aurais pas dû partir, putain. Mais non, c'est pas de ta faute, c'était un accident. Putain, je m'en veux, putain. Mais elle est géniale, ton idée. Et comment t'appellerais ça? J'avais pensé à CV de rue. CV de rue? Ouais. C'est un peu ringard, non? Moi, ça ringard, t'as quoi de mieux à proposer, toi?
CV de rue. CV Street. CV Street. Ouais. Ça veut rien dire en anglais, ça. Non, non, il vaut mieux, attends. Street Resume. On s'en fout que ça veuille rien dire. L'essentiel, c'est que ça envoie. Street Resume. CV Street. CV Street. Dis-moi ça, Laurel. CV Street. CV Street. Ouais, c'est... ça me plaît, ça sonne. On est parti pour ça, là? Je vote oui. Tape là. Si vous avez quelques minutes à m'accorder, j'aurais quelques questions à vous poser. Je vous écoute. En fait, j'aurais voulu avoir quelques conseils pour créer mon entreprise. En fait, j'aimerais savoir si je dois créer mon entreprise ou pas. Écoutez, moi, ça m'arrive effectivement d'intervenir de temps à autre sur la question de la création d'entreprise. Quant à savoir si vous, c'est-à-dire vraiment vous, voulez créer votre entreprise, là, je peux pas répondre à votre place. C'est une décision qui vous concerne, vous comprenez bien. On peut en parler, 5 minutes ? Hélas, non. Je dois aller donner un cours, je suis très pressé. Par contre, vous pouvez aller voir le secrétariat, il va tout vous expliquer. C'est par là, montez. Rebonjour. Bonjour. Mais vous êtes resté là toute la journée ? Mais je voulais vous parler. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais que vous m'aidiez. Oui, mais dites-moi une raison valable, parce que là, excusez-moi, mais... J'ai envie de me battre. Il n'y a pas de combat à mener. C'est juste, disons, qu'il faut apprendre. Justement, je suis là pour ça. Bon. C'est quoi votre prénom ? Fatima. Fatima. Après vous ? Merci. Nous sommes réunis aujourd'hui en mémoire de Franck. Franck qui voulait aider tout le monde. Franck qui donnait sans rien attendre en retour. Franck qui voulait être acteur. Acteur d'un film où tout le monde serait son propre héros. Acteur de sa propre réussite. Franck, tu nous manqueras. Tu me manqueras. Was blind, but now I see. Je suis revenu d'Athènes hier. Une merde là-bas. T'as même pas idée, une merde noire. Un truc de fou. Bail à céder sur la ville, de partout, placardé. T'as l'impression que la ville est à vendre. Je te raconte même pas la montée du parti néo-nazi, là. Le parti néo-nazi ? Ouais. Si tu veux, c'est un ensemble de facteurs qui plongent la ville dans le chaos. Même pas la ville, le pays, la Grèce tout entière. Et j'ai peur que ça se répercute ici, chez nous. Mais bon, regarde. J'ai fait les photos. Voilà, tout est là. Ah ouais, tiens, c'est intéressant. Mmh. Ben moi j'aime bien celle-là, là. Mais je sais pas, il y a un truc qui te dérange. Tu l'aimes bien, mais ça te dérange. Hein? Ben ouais, c'est le côté flouté, si tu veux. Mais c'est normal, ça. C'est le sens que ça... Faut que t'imagines, tu te balades tranquillement dans la rue, que ce soit à Tokyo, Pékin, Marseille, n'importe. En l'occurrence, là, c'est Athènes. Tu croises un sans-abri. Donc t'as le regard en biais, comme ça, qui se dirige vers lui. Et puis finalement, tu décides de tracer ta route. C'est là que la photo se prend, dans le mouvement. Et donc, ça crée cette impression de flou. C'est porteur de sens. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. J'avais pensé à faire une expo. Ah non, 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 non. Moi, je sais ce qu'on peut faire. Faut aller dans les quartiers de bourgeois, là. Et tu leur mets des grandes affiches, là. Quand ils sortent de chez eux, ils voient que ça. Le SDF, hein.
en très grand, là, tu vois. Le SDF, le mec, le chômeur, il n'y a que ça dans la rue. Y a, c'est ça qui peut faire un choc. Et si, sinon ça ne marchera jamais. Mais tu comptes faire quoi, en gros, concrètement? Tu comptes aller placarder des photos? Oui, des photos de SDF, des photos de chômeurs, des photos de mecs qui sortent de prison, les mecs qui sont voilà, qui sont dans la galère. Il faut faire que ça, il n'y a que ça à montrer. C'est ça, la vraie vie, c'est ça. Bah, on en est là. Moi, je sais pas, ça me paraît un peu ton histoire. Mais moi, je te fais le modèle, hein, si tu veux. Alors voilà, écoute. Jean, l'ex-toxico, le mec qui vous emmerde, ouais. Hein, le mec qui boit sa bière. Et qui vous rote à la gueule. Sympathique, merci. C'est sûr qu'avec ça, on va se faire remarquer. Une femme vient de mourir de froid sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Elle serrait dans ses mains le papier par lequel on l'avait expulsée de son logement. Chaque nuit dans Paris, ils sont plus de 2000 à geler dans la nuit, sans toit, sans pain, mal vêtus et malades. Il faut que dès ce soir, dans tous les quartiers de Paris, s'ouvrent des centres de dépannage. Tu vois bien que c'est l'abbé Pierre. Qu'on accroche des pancartes, sous une lumière, dans la nuit, à la porte de tous les endroits où il y a des couvertures et de la soupe et de la paille. Et que partout, ces centres de dépannage, ces centres fraternels, accueillent tous ceux qui souffrent, quels qu'ils soient. Qu'ils puissent y abriter, y dormir, y manger, reprendre espoir. Qu'ils sachent qu'on les aime et qu'on ne les laissera pas mourir. La météo annonce des semaines de froid terribles. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous en supplie, faites cesser les expulsions, au moins pendant qu'il gèle. Et vous, monsieur le préfet de police, faites rouvrir les stations de métro. Elles feront d'excellents abris d'urgence pour les nuits qui viennent. Et vous, vous tous qui m'écoutez, je vous en prie, aidez-nous à aider les sans-abri. Nous avons besoin pour ce soir de 5000 couvertures, de 300 grandes tentes américaines et de 200 poêles catalytiques. Et nous avons aussi besoin de vos vêtements chauds que vous ne mettez plus. Radio Luxembourg, bonjour. Non, monsieur, je ne peux pas vous répondre. Appelez à la fin du journal. Come the man who sold them all to the highest amount.
Merci à vous d'avoir participé à cette expérience interactive. Comme vous le savez, vous pouvez intervenir à tout moment pour influer sur le destin de vos personnages favoris. Rappelez-vous que c'est vous, public, qui décidez. Tapez 1 pour Fatima, tapez 2 pour Gilles. Bon, j'avais les mains croisées, hein, je peux la faire différemment si tu veux. Ouais, refais-la avec le doigt montré, si tu veux.